Un poisson plein de vigueur pourrait facilement blesser la fragile méduse. Alors, comment est-ce qu'il est fait pour capturer sa proie sans dents et sans griffes? Eh bien, qui s'y frotte, s'y pique. C'est avec ses tentacules, qui sont munis de milliers de petits dards venimeux, qu'elle paralyse sa proie. La victime peut donc plus se débattre, ce qui en fait un repas sans danger pour la méduse. Pas mal pour un animal qui n'a pas de cerveau.